Allô tout le monde, bonjour, bonjour, bonsoir plutôt. Je m'excuse d'être un petit peu en retard, j'étais pas tout à fait prête. Mais là, je suis prête. J'avais plein de petites choses à ramasser avant le live, j'ai plein de choses à vous parler, à vous montrer. Donc, c'est ça, c'était pas tout à fait prêt. Donc, bienvenue à l'atelier de scrapbooking. Je m'appelle Evelyne Lauzé. Vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne. Et puis, bien ce soir, je m'amuse avec les poinçons, surtout là, les poinçons collage tropical. J'ai fait ma carte du blog Hop la semaine dernière là, avec. Les vagues, puis je disais que j'aimais marcher au bord de la plage, puis bord là, j'ai comme pogné le. J'ai comme eu un petit. J'ai pogné les blues du sud, donc j'ai décidé de sortir des photos, puis mettre ça en scrapbooking. Mais avant toute chose, il faut que je vous parle de quelque chose. Celles qui ont reçu mon infolettre aujourd'hui, je vous en ai glissé un mot. J'ai dit que j'en reparlerais ce soir, donc je vais en parler. Je me suis amusée avec le lot des petites coccinelles après avoir fait ma page la semaine passée. J'ai continué à m'amuser avec ça. Puis j'ai sorti quatre cartes, puis j'ai décidé d'essayer quelque chose avec ce lot. Je vous propose une classe, on appelle ça une classe to go. Moi, j'ai jamais fait ça, c'est un principe que j'ai jamais essayé, donc j'ai décidé de me lancer puis de l'essayer. Donc le principe, c'est de vous offrir cette classe-là pour que vous puissiez la faire chez vous, à la maison. Donc, j'envoie les cartons et j'envoie une feuille d'atelier par courriel et on va essayer de se réunir sur Zoom pour faire l'atelier. Si vous ne pouvez pas être là, ben l'atelier va être enregistré. Donc, vous allez pouvoir revoir l'atelier chez vous, puis vous allez pouvoir le garder aussi, là. Moi, je vais vous l'envoyer, puis il va être à vous après, là. Donc, je vous montre les cartes. Je vais tourner la caméra. Je vais regarder avant toute chose. Là, je parle, puis je ne sais même pas si j'ai du monde avec moi, là. Oui, il y en a qui sont arrivés. Allô, Martine, Ginette, Lise. Qui d'autre? André, France, Carmen, ok, j'ai du monde. Donc ça fonctionne. Donc je vais tourner, oui, je vais tourner la caméra, puis je vais vous montrer les cartes, puis je vais vous montrer aussi comment ça fonctionne, le prix et tout ça. Puis si vous avez des questions, ben, je vais le republier demain, toutes les infos dans dans l'infolettre là, que vous allez recevoir, là, vous allez l'avoir toute détaillée. Si jamais vous n'êtes pas abonné à mon infolettre, puis que ça vous tente de recevoir des petites nouvelles de moi par courriel, vous pouvez m'écrire sur Messenger, là, donnez-moi votre adresse courriel, puis ça va me faire plaisir de vous ajouter dans ma liste. Donc, je tourne la caméra, puis je vous montre les cartes. On tourne comme ça. Donc, j'ai mis. Ok, je vous ai montré, j'ai mis le catalogue, là, vous savez de quoi je parle de toute façon. Donc, c'est avec nos belles petites coccinelles, la perforatrice. Donc, je vous montre les cartes. J'ai fait quatre cartes. Je me suis amusée, moi. Je me suis amusée avec la perforatrice, vraiment. Là, vous avez vu ma page de scrapbooking la semaine passée. Là, je me suis amusée à j'ai fait une fleur avec les ailes de la coccinelle. Donc là, ben, j'ai continué à m'amuser avec mes coccinelles. Et je vous présente ces quatre cartes-là qui vont faire partie de ma classe To Go. Donc, j'ai la première ici avec coccinelle et feuilles. Ensuite de ça, on a une coccinelle qui se transforme en abeille. Ensuite, ici, on a des papillons et des champignons. Après ça, j'ai celle-là ici avec justement un autre type de feuillage et mes coccinelles aussi d'une autre façon. Donc, c'est les quatre cartes qui vous sont offertes dans cette classe-là.
La façon que ça fonctionne. J'ai différents prix pour selon ce que vous voulez avoir. La classe va vous arriver chez vous dans une enveloppe comme ça. Je suis allée aujourd'hui à la poste, là. Ça compte pas comme un colis, là. Donc, pour moi, c'est quand même pas si pire là, pour vous les envoyer. Donc, dans l'enveloppe, là, il y a tout ce qu'il faut pour faire toutes les cartes que je vous ai montrées. Tout rentre là-dedans. Les rubans, les petites fleurs, les petites perles, tout ce que j'ai montré sur les cartes, ça rentre dans cette enveloppe-là. Vous pouvez avoir la classe gratuitement si vous achetez le lot coccinelle et perforatrice et le lot ici, là on en voit seulement 3, mais il y en a 8. Le lot des petits pattes d'angle, celle qui commence, c'est vraiment génial. Là, vous avez 8 couleurs d'encre. J'ai fait ma classe exprès avec ces couleurs-là, donc c'est des couleurs qui sont vraiment dans les couleurs ici. Donc, si vous achetez tout le lot, les deux ensemble, là, qui montent à... C'est 97,39 que ça fait comme commande, là. Donc, avec ça, ben moi, je vous donne l'atelier. Vous n'avez pas d'autre chose à dépenser. En plus, vous avez droit à une prime célébration. Donc, c'est un plus. Ensuite, deuxième option, seulement le jeu des tempes et la perforatrice. Avec ça, ben là, je vous laisse le tutoriel, le matériel pour 15$. Donc, c'est vous achetez le lot qui est à 44$ plus taxes et transport. Et avec ça, ben vous avez pour 15$, vous pouvez acheter l'atelier. L'option numéro 3, c'est l'option à 30$. Je vous envoie, vous avez le tutoriel, la vidéo et le matériel. Si vous avez vraiment les kits, le kit chez vous, vous voulez avoir les cartons, vous voulez avoir l'enveloppe, c'est 30$ avec l'atelier. Et l'option numéro 4, je vous dis, hein, il y a beaucoup de choses, hein, mais ça va tout être détaillé demain. L'option numéro 4, c'est l'option à 20$ qui comprend seulement tutoriel et atelier. Donc, vous organisez avec les cartons, avec vos couleurs d'encre, vous avez seulement le tutoriel et l'atelier. Donc, c'est la feuille et la vidéo. Donc, si jamais vous avez des questions à ce sujet, ben écrivez-moi, là, laissez-moi un commentaire, là, ça va me faire plaisir de vous expliquer tout ça. Et aussi, ben, demain, dans mon infolettre, là, je vais vraiment vous détailler ça plus en détail. Donc, voilà pour l'atelier, ma classe to go que j'ai décidé de m'amuser avec mes petites coccinelles. Donc, je range tout ça. Je vous montre mes photos, ben, je n'ai pas sorti mon carton encore. Oh, je vais faire rêver celle qui aime aller dans le sud, là. Regarde-moi ça, là. Comment c'est? C'est-tu pas beau? Ça fait rêver. Donc, je vais chercher mon carton. J'ai besoin d'un carton 12 par 12 pour ma page. Et avec, je vais venir, là j'ai sorti les couleurs du sud qui sont, oui, Baie des Bermudes et Copacabana, ça c'est vraiment deux couleurs qui sont vraiment dans mes couleurs à moi. Donc, pour commencer, je vais venir... Avec ma brosse, je vais venir mettre de l'encre, là. Je vais venir mettre de la couleur, là. Un peu comme la couleur de mon eau qui est sur mes photos. Donc, je commence avec Piscine Party. Je vais en mettre, là. Je sais qu'ici, là, je vais avoir un espace vide, là, que je vais venir décorer, là. Donc, je vais en mettre un petit peu plus dans ce coin-là. Parce que j'ai quand même 3 photos. Ça va garnir assez bien... ma page. Fait que le reste autour, je vais juste venir éponger là, le tour du carton
Essayez d'y donner une petite couleur des îles. Allô Sylvie, allô Carole, Nicole, bonsoir Ginette. Donc, on va y mettre la couleur. La couleur des îles. Là, je suis en piscine. Pas en piscine, non. Copacabana. Donc, ici, puis ici, ça va être un petit peu plus aussi. J'ai sorti mes photos hier, puis j'ai trouvé mes idées aujourd'hui. J'ai placé ça un petit peu en arrivant ce soir, après-midi. C'est pour ça que je vous avais pas envoyé de photos avant. Là, mes idées n'étaient pas encore en place. Ensuite de ça, je vais prendre un petit peu de baie des Bermudes. On va venir y mettre un petit peu plus de foncé. Là, je fais des mouvements circulaires. Là, ça... Je vais venir mettre d'autres choses. Là. C'est juste pour venir faire un petit fond là, à ma page. Là. Je veux pas que ça soit égal non plus. Là. Je travaille pas pour... Je veux pas que ce soit tout uniforme. Donc, OK. Je pense que... On va y aller avec ça. Si ça ne fait pas, ben, je réajusterai en cours de route. Là, je vous ai dit que ma carte du blog Hop m'a inspirée hein, avec les vagues. Là, ma carte, je ne sais pas si elle est bien loin. Là. Oh mon Dieu. Je l'ai serrée. Donc, je réutilise le jeu des temples arrière-plan Gentle Waves. Pardon, excusez mon anglais. Donc... Je vais venir en mettre ici dans le bas. Vous allez voir là, ma suite. Là. La suite dans mes idées. Je pense que ça va être beau. Je ne l'ai pas essayé. Je l'ai pas assez. Donc, je mets partout Copacabana. C'est une grosse éponge, là. Hein? C'est un arrière-plan. Donc, et là, avec Baie des Bermudes, je vais venir avec mon doigt éponge. Je vais venir... tapoter là un peu plus de foncé. Là, je vais me concentrer plus, par exemple, d'un bord. Ça ne me sert à rien d'en mettre. OK. Parce que j'ai une photo là, qui va là-dessus. Là. Là, je suis en train de penser qu'il ne faut pas que je travaille trop à rien. Donc, on va voir plus le bas, puis on va voir le côté ici. Et là, je vais venir étamper, même pas le côté. Ça n'a pas servi à grand-chose. On va voir le bas. Donc, je l'amène. Je ne veux pas l'amener. Attendez un peu, là. Parce que je ne veux pas dépasser la largeur de ma photo qui va être à peu près ici. OK. Je l'amène en bas complètement. Let's go. On y va. Advienne que pourra. Donc, je voulais comme faire un petit fond là, en arrière de ma photo qui est avec sa petite échelle pour descendre pour se baigner. Oh, elle n'est pas tout à fait assez basse. Bon, mais c'est pas grave. On va vivre avec. Donc, c'est ça. C'est comme ça. C'était ça mon idée. C'est pas pire. Bon, là, ici dans le bas, ce que je vais faire, je vais rajouter de l'encre. Bon, je mettrai peut-être un petit ruban ou une bande de papier, là, quelque chose, là. Je verrai, parce que là, c'est pas beau, c'est pas droite. Puis, je voulais cacher le bas, mais je me suis fait jouer un petit tour, c'est pas grave. Donc, mes photos. Je remets mes photos en place. Donc, j'avais celle-là que je voulais placer ici dans le haut.
celle-là ici, ça, c'est le début du chemin qui continue dans la mer, là. C'est vraiment une belle place. Un jour, je vais y retourner. J'espère que ça va être bientôt. Donc, celle-là, je voulais l'amener. Oh, puis c'est le fun, elle arrive. Oh, je vais l'amener. Quoique mon horizon est croche sur ma photo, là, ça fait pas tellement beau. Donc, je vais les placer environ à peu près comme ça. Et là, ben, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai découpé déjà des. Ben, je vous l'ai montré sur la photo. J'ai découpé les feuillages qui sont dans collage tropical. Donc, j'ai déjà fait des feuilles que je vais venir mettre en place. Là, je vais voir avec mes photos. Ah, oh, je voulais peut-être adosser mes photos. Je m'étais fait des cartons blancs. Mais je pense, j'avais dans l'idée que ma page allait devenir plus foncée que ça, là. Mes éponges. Mon épongeage allait devenir plus foncé. Mais c'est pas grave, je vais les mettre pareil, ça va être plus beau. Donc, je vais commencer par venir adosser mes photos. Bonjour Roseline. Donc, j'ai fait un carton pour chaque photo. Juste pour avoir un huitième tout le tour, là, je trouvais que ça faisait plus. C'est tout le temps plus beau avoir un carton en dessous des photos. Hop, celle-là, je m'en ai servi pour faire la découpe. Parce que je mélange. J'ai vu une démonstratrice qui avait fait une carte avec collage tropical et les poinçons. Oh, comment il s'appelle? L'eau d'artiste, encre. C'est-tu encre d'artiste? C'est la collection encre d'artiste. J'ai le catalogue à côté de moi là, avec la page ouverte là, je vais vous montrer la découpe là. Vous allez savoir de quoi je parle là, cette découpe là ici là. Les poinçons, attendez un peu là, découpe d'artiste page 97 dans le catalogue annuel. Je trouvais que ça faisait un beau mélange les deux ensemble. Je trouvais que c'était une très bonne idée de mettre ça ensemble, cette fleur-là, avec les feuillages tropicaux. Les feuillages tropicaux. Donc, je me suis inspirée de cette carte-là pour faire ma page. Donc, voilà, j'ai adossé mes. Puis c'est ça, j'ai pris. Je me suis servi d'un des cartons pour adosser ma photo pour faire ma découpe. Donc, je vais mettre un petit peu en place ce que je veux. Elle, je veux la montrer pas mal au complet. Je voulais pas couper mes photos là. Je trouve les paysages trop beaux. Donc, je vais m'organiser pour les avoir, pour voir les trois images ensemble. Là, est-ce que vous voyez, c'est ça, je me suis baissée un petit peu là. Je voyais que j'étais peut-être un petit peu haute. Donc, j'ai découpé les couleurs. Ça, c'est grenouille guillerette. Ensuite de ça, j'ai baie des Bermudes, naturellement. Copacabana. Et ça, c'est sable du Sahara. Donc, Copacabana, lui, je prendrai peut-être pas lui. J'en ai fait une autre, juste mon dos, 5 minutes avant la vidéo, là. Il m'a passé une idée par la tête de mélanger les deux ensemble. Je pense que ça va être joli ensemble. Donc, attendez que je refasse mon petit montage que je vous avais mis sa photo. On va aller rechercher ma photo.
Je vais juste mettre mes idées en place un peu là. OK, celle-là, je l'avais par-dessus comme ça. Ici, je vais mettre celle-là. J'en avais une autre comme ça. Ça, ça va pas là. Ça non plus. Celle-là, elle devait aller comme ça. Et puis, celle-là, ben là, je l'ai... je vais la modifier un petit peu. Parce qu'une rose, ça fait pas très, très... ça fait moins tropical un peu. Donc, je vais enlever la rose. Là. Ce que j'ai fait avec l'autre, attendez un petit peu que je revoie ce que j'ai fait. OK, j'ai enlevé la rose. Autrement dit, j'ai enlevé ce morceau-là ici. Je reviens après ça chercher la section qui est ici. C'est facile de revenir faire les pétales de fleurs là, ici. Là. Ça paraît pas qu'on enlève un morceau. Mais ici, ça paraît qu'on a enlevé un morceau. Fait que là, il faut venir... arranger ça pour que ça paraisse plus. Donc, c'est tout simplement de revenir porter un morceau par-dessus. Venir cacher là, le morceau qu'on a enlevé. Donc, OK. On défait puis on colle. Alors, pour coller, je pense que... Attendez un peu. Pour coller, là, j'aurais pu les découper, mais je ne pense jamais là, de mettre les feuilles adhésives là, en dessous de mes affaires. Donc là, je vais prendre mon tapis en silicone avec le doigt éponge. Et puis, je vais venir coller ça. Mais là, il faut que je vienne coller ma photo avant. Mes photos étaient quand même... Je vais venir coller juste celle-là pour l'instant. Je vais venir placer celle-là. Comme ça ici. Celle-là, je vais attendre. Je vais peut-être me réajuster. Donc, ce que je fais, c'est qu'avec le doigt éponge, je viens chercher de la colle. Et là, je viens tapoter à l'arrière de ma découpe. Ça vient amener, là, elle amène juste un petit peu de colle. Comme ça, ça ne déborde pas partout quand j'arrive pour coller. Puis c'est assez pour que ça tienne, là. OK, on y va. On va le faire en section, celui-là. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, cette collection-là, là, le collage tropical, c'est vraiment beau. Puis, petit scoop que je peux vous dire. Notre prochaine classe du mois de mars, ça va être en mars. Ça va être notre collection dans la classe à moi et Sylvie. Sylvie a déjà commencé, a déjà deux projets de fait. Elle. Moi, j'ai pas rien de fait. Donc, ça va être notre prochaine classe. On va s'amuser avec collage tropical. Moi, je m'amuse pas mal plus seulement avec les poinçons ce soir, là, mais je vais prendre peut-être un petit peu d'étampe là, dans le bas. Là. Mais c'est ça, hein, quand on a beaucoup de, quand on a des photos, beaucoup de photos, puis qu'on les laisse à leur pleine grandeur. Ça limite un peu l'espace de déco, là. Bon, elle, je la mettais par-dessus.
Parce que dans cette collection-là, là, il y a il y a un super beau ruban, il y a les papiers velins avec des motifs. Sont très jolis. Hop, là, il ne faut pas que je mette la colle partout. Bon, ici, là, oups, ça va embarquer par-dessus ma photo. Donc, mais je ne veux pas la coller tout de suite, par exemple. Je collerai pas, j'appuierai pas pour coller le bout. Parce que je veux étamper en dessous de ma photo. Donc, je vais me laisser. Je le collerai pas tout de suite. Je serai rendue à ma fleur. Ma fleur, je vais comme venir la mettre décalée un peu. Non, comme ça. Comme ça. Elle, je l'ai découpée dans du carton blanc simple. Tout simplement. J'ai essayé de la faire avec le papier velin là, qu'on a dans cette collection-là, avec les petits motifs là, de très très fin, là, mais ça faisait pas bien. Je perdais trop ma fleur là, avec le. Dans le motif, là, ça faisait trop transparent. Donc, je l'ai pas pris. Ça fait des épaisseurs, là, mais c'est beau. Ça fait. Bon, en tout cas, moi, je trouve ça beau. Je vais venir rajouter le petit morceau pour venir cacher la. Cacher ce qu'on ne veut pas voir. Tiens, comme ça. Et là, j'ai aussi étampé avec le jeu d'étampe qui va avec cette grosse fleur-là. Là, on a des petites fleurs. On a un trio de fleurs. Je cherche mon jeu d'étampe, je ne le vois pas là. Mais je les ai étampées et découpées avec leur poinçon. Fait que ça vient finir de cacher là un peu là ce qu'on veut pas comme ça c'est correct. Hein, voyez-vous, hein, on pensait pas que ça pouvait faire une fleur des îles, cette grosse fleur-là, mais elle est devenue fleur tropicale. Je trouvais ça vraiment génial quand j'ai vu ça sur une carte. J'ai fait, oh, la bonne idée. Puis ça poursuit le thème là, des motifs ajourés, là. Je trouve ça. J'aimais beaucoup ça. Donc, j'ai décidé d'en faire ma page. Donc, cette feuille-là, elle, je l'amenais plus dans le coin ici, mais avant, je vais m'occuper de l'espace que j'ai ici en bas. Celle-là, je l'ai fait, je sais pas, je l'ai dit, là, sable du Sahara, la couleur que j'ai utilisée. Ça vient chercher la couleur de mon sable que j'ai sur la plage. Et là, j'ai sorti les étampes, j'ai sorti la grosse feuille et l'autre feuillage aussi. Je voulais les mettre qui sortent. Ok. Encore avec les mêmes couleurs. Copacabana, ouais, le gros feuillage, je vais le mettre Copacabana. Puis je vais me garder de l'espace aussi pour écrire l'année et tout ça. J'ai plein d'autres photos avec ça là, mais ça me tentait pas de vous montrer. Ça ne me tentait pas de vous montrer les costumes de bain de tout le monde. Hein. Je me suis gardé une petite gêne ce soir. Donc, Copacabana. Et là, avec Baie des Bermudes. Je vais regarder si ça a de l'allure avec. Je vais venir placer ça. Comme ça. La grosse feuille, je vais l'amener.
Je vais la décaler un peu. La grosse feuille, je l'ai pris la couleur B des Bermudes. Je vais l'amener comme ça ici. Oh, j'aurais peut-être voulu l'avoir un petit peu plus basse. Mais bon. Bon, c'est correct. Oh, si je veux écrire, quand même, c'est correct. Alors, on colle. J'ai sorti mes petites pierres aussi là, qu'on a avec la collection, justement la collection collage tropical. On a des belles petites roches avec ça. Tiens, je vais monter ma photo. Donc, plus je la monte, plus on voit les. Ajouter mon feuillage. Ça ici, on va le coller. Une petite feuille de palmier. Comme là ici, là. Ça, c'est plus. C'est pas des feuilles de palmier, là. C'est. Mais ça y ressemble. Donc, les commentaires. Une belle page. Ben merci pour vos commentaires. Là. J'essaie de voir là, un petit peu vos commentaires. Si jamais il y a des questions, je vais revenir là, après. Là. Je lirai vos commentaires. Donc, cette page, cette photo-là n'est pas collée encore. Je mettrai peut-être une petite bande de papier ou le super beau ruban là, qui va. Qui est dans la couleur, c'est Piscine Party. Peut-être un petit ruban dans le bas. Ou tout simplement, je pourrais couper ma page. J'en ai tellement pas grand, là. Je pourrais régler ça en venant couper là, un huitième dans le bas de ma page. Là. Ça n'apparaîtrait pas du tout. C'est peut-être ça. C'est probablement ça que je vais faire, je pense. Parce que sinon, il faut vraiment que je vienne coller quelque chose dans le bas complètement. Là, puis je ne vois pas trop là, avec ça. Là, comment je pourrais. Organiser ça pour que ce soit beau là. Donc cette feuille là j'avais envie aussi d'y garder son intérieur puis de l'amener juste comme ça là. Peut-être je vais en rajouter là. J'ai d'autres petites fleurs aussi là, que j'avais découpé deux sets là. Des petites fleurs, je peux peut-être venir les mettre ici dans le bas. Je peux en avoir deux autres en quelque part là. Ah oui, ils sont ici. Je suis pas obligée de mettre les trois non plus là. Je sais pas. Ça me vient pas. Mais ça, je vais les coller. C'est le fun, la possibilité là, avec ça. Là. On peut la laisser vide ou on peut la remplir. On peut y remettre ses morceaux ou y mettre les morceaux d'une autre couleur. Comme j'ai fait avec celle-là ici. Bon, je l'avais placée. On va la mettre de même. Direction la mer. Avec ces petits morceaux. Puis là, j'ai sorti mes petites pierres. Je ne sais pas. Oh, je pourrais décorer avec mes petites pierres aussi. Là. On va vous montrer. On va essayer de se placer quelques petites roches à quelque part là, pour finaliser le tout. Hein? On fait des casse-têtes.
Donc, mes petites pierres sont ici. Je pense que j'ai pas mal mis tout ce que je voulais mettre. Les petites fleurs, on va peut-être en ajouter. Les petites pierres, les formes faux verts de mer. Ça aussi, gros coup de cœur pour moi, ça aussi, là. C'est vraiment très joli. Donc, je pourrais venir en placer ici dans le bas. Avec, on a des blanches, on a des... ça, c'est quoi? C'est la couleur, mon dos, je sais pas, là. C'est un petit jaune vert. Je vois pas la couleur Stampin' Up là-dedans. Là. Il y en a une certaine, là. Oh, tiens, on va les mettre, là. Let's go. On les met comme si c'était des petits sequins, là. On rajoute des petites pierres. J'en ai mis trois. Peut-être que ce sera assez, hein. Ici, on va en mettre ici. Une là. Je vais peut-être ajouter des fleurs. Des petites pierres, j'en mettrai. Je vais attendre. Avant. Donc, c'est sûr, j'aurais pu mettre le beau ruban aussi. Là, mais là, je trouve qu'avec mes photos, là, ça, j'ai quand même pas mal de stock là, déjà sur ma page. Donc, voilà pour. Pour la page de ce soir, j'espère que ça vous donne des idées. Mélanger cette fleur-là avec collage tropical, j'espère que ça vous inspire, que ça vous donne des idées. Si vous avez des pages comme ça avec des belles des vagues aussi, tout ça, ça va super bien, l'arrière-plan. Donc, moi, c'est ça que je vais faire. Je vais couper ma page. Je vais venir enlever ça, puis... Il y a juste vous autres, puis moi, puis vous autres qui allez savoir que j'ai coupé ma page. Il n'y a pas personne d'autre qui va se rendre compte de tout ça, parce que j'en enlèverai pas beaucoup. Donc, je vous remercie d'avoir été là, puis je vous souhaite une belle semaine. Pour la classe, j'ai vu le mot classe là, dans les commentaires. Là. Je vais revenir, je vais répondre, puis comme je vous ai dit, je mets toutes les infos dans mon infolettre demain. Si vous n'êtes pas abonné à mon infolettre, vous pouvez me laisser votre adresse courriel. Ça va me faire plaisir de vous ajouter. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine. On se revoit lundi prochain pour le scrapbooking. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye!